À Sainte-Anne, il y avait deux, dans les années où j'étais jeune, il y avait deux grandes équipes. Il y avait l'Hermine et puis les Garennes. Et je me souviens très bien des l'entraînement des basketteurs des Garennes, parce que dans les terrains vagues qui étaient autour de Sainte-Anne, derrière l'école des filles, on avait installé des lessiveuses, une fixée au mur de la maison, l'autre un poteau électrique qui existe toujours d'ailleurs, et ça nous servait de terrain d'entraînement de basket. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet entraînement hors club, il n'y aurait pas eu une cohésion aussi importante des enfants du quartier qui composaient en fait le club des Garennes. On a appris à jouer au basket en fait en dehors du club et de la classe. C'est pour ça que dans les années 70, le club était jusqu'en national. Il y avait une très bonne entente entre les joueurs qui se connaissaient depuis de nombreuses années.